Bon, petite vidéo explicative pour montrer ce qu'on peut faire avec ce genre de choses par rapport au rendu que tu voulais. Donc, comme j'expliquais, le problème principal, hein, c'est, tu vois, ici, on a des zones d'ombre qui sont très très marquées, tandis que dans la photo que tu voulais essayer de reproduire, tu n'as pas ce genre de zone d'ombre très marquée. Donc, de toute façon, on n'arrivera pas à faire le même résultat, mais on va essayer de s'en approcher et uniquement avec Lightroom tant qu'à faire. On va déjà passer en noir et blanc, c'est l'objectif. Ensuite, on va baisser un peu le contraste. On va baisser un peu les hautes lumières. Les hautes lumières, c'est ça, je dirais, ça fait baisser un peu ces parties qui sont trop claires. Ensuite, on va baisser un peu la clarté pour adoucir tout ça. Ça, c'est les choses qu'on va faire de base. Ensuite, on va aller dans le mélangeur de couleurs. Normalement, la peau, c'est orange-jaune, hein, on va dire. Donc là, on peut monter un peu l'orange. Le jaune, ça va être au niveau des dents. On peut le monter un peu là, comme ça. Le rouge, par contre, si on le baisse, c'est les lèvres qui vont se diminuer un peu. Donc, c'est ce qu'on voulait. Donc là, j'irais. Ça va être un peu ça va être un peu la trame de travail. Et ensuite, on va travailler là-dessus. Les choses que tu peux faire là-dessus, alors je ne sais pas si tu as remarqué, ta photo elle est pas très nette, hein. Il y a un flou de bouger, il y a un flou de bouger un peu partout, mais bon, ça c'est. Si tu fais un grand tirage, ça risque de se voir. On va baisser aussi un peu le bleu pour baisser le ciel derrière, là, pour que ça soit un peu plus sombre. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir remonter les ombres et il va falloir réduire un peu les hautes lumières. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre un pinceau de retouche locale, on va baisser les hautes lumières sur ce pinceau de retouche locale et on va aussi baisser la clarté. Ça, en baissant la clarté, ça va nous éviter d'avoir ces petits points brillants là-haut. Donc tu vois, là, on arrive à faire quelque chose qui adoucit un peu. Là aussi, sur la joue, là aussi. Voilà. Donc là, on a fait une petite peinture. Ensuite, c'est à toi de choisir, hein. Tu vois, tu peux décider plus ou moins. Et ensuite, on va faire nouveau. On va faire la même chose, mais ce coup-ci, c'est sur les ombres qu'on va remonter. Là, la clarté, on peut la laisser. D'accord? Donc là, on va remonter un peu les ombres sur les zones du visage, là. Donc là, déjà, on a atténué un peu je dirais, cette différence. Maintenant, il va falloir travailler localement sur les ombres. D'accord? On va déjà s'occuper de son petit nez, là, qui ne me plaît pas, là, avec ce truc. Donc là, j'utilise une nouveauté. C'est une nouveauté. Alors, attends, il est allé le mettre où, ça? On va prendre une texture de peau qui est par là. Opacité, donc là on va choisir une opacité assez forte, contour progressif. Donc ça c'est une nouveauté de Lightroom 5, c'est la suppression des défauts, où tu peux maintenant peindre entre guillemets pour s'occuper du défaut. Donc là on voit déjà bah, son nez, c'est bon. On a viré le petit truc. La lèvre est un peu plus sombre sur l'exemple que que tu m'as donné. Donc là, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein, faut se mettre à peindre. Donc là, on va baisser l'exposition d'un IL, imaginons. Et on va commencer à peindre. Le son est toujours là, mais je suis concentré, donc tu ne m'entends pas. Voilà. On pourra baisser aussi un peu les hautes lumières pour éviter la petite brillance. Alors sous Lightroom, si tu appuies sur haut, tu vois où tu es en train de peindre. Ça part en rouge. De faire quelque chose de plus joli par là. C'est un peu long, mais bon. Je connais pas d'autres solutions
sous Photoshop ce que tu aurais fait, tu aurais pris une zone que tu aurais sélectionnée, quelque part ça aurait fait un peu la même chose, hein, en termes de temps, je pense. Voilà, on va voir un peu ce que ça donne. On va y appuyer sur O pour voir tout ça. Ça m'a l'air pas mal. C'est là, ce point-là, un peu clair qui me gênait. Donc si on baissait haute lumière, on devrait le baisser un peu. Tu vois, ça brille un peu moins. On va baisser aussi un peu la clarté. Voilà, baisser la haute lumière. Ok. Donc là, on a fait cette partie-là. Ensuite, les yeux. Là, ils sont pas assez éclairés, tes yeux. Donc à ce moment-là, même concept, hein, je vais à ce moment-là augmenter l'exposition. On verra qu'il faut aussi augmenter. Attends, je vais baisser mon contour progressif là pour pouvoir travailler avec une brosse plus grosse. On va voir que l'œil va devenir un peu vitreux. Donc à ce moment-là, on va jouer sur la clarté pour que le noir reste noir et que le blanc reste blanc. Voilà. Donc là. Pareil ici. Alors là, c'est peut-être un peu violent, on va le régler après. Hein. Voilà. Voyons voir ce que ça donne cette chose-là, comme ça. Donc là, c'est peut-être un peu violent. Donc on retourne là, on le sélectionne et on va réduire un peu l'exposition. Mais il faut quand même, à mon avis, faire quelque chose comme ça. Ok? Ensuite, tout le reste, ça va être essayer d'atténuer les ombres. Donc là, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut prendre. Alors, sous Lightroom, la solution, c'est d'utiliser donc cet outil-là. D'accord. Alors, où est-ce qu'il allait chercher là? Ça, c'est un peu le problème. Des fois, il va chercher la zone corrigée à un endroit qui n'est pas celui que je veux. Voilà. On va la mettre là par exemple, on va resumer pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là on a assez atténué la zone. Alors on peut éventuellement, si on veut atténuer un peu plus, on peut faire comme ça par petites touches. Ça c'est un peu énervant, il va chercher automatiquement les zones. Là, c'est pour essayer d'atténuer les petites différences qu'on pourrait voir. Là, ça m'a l'air pas mal. Pourquoi elle porte des lunettes généralement, la dame? Il y a une espèce de marque ici, là. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc là, on l'a fait de ce côté-là. Maintenant, il faut essayer de faire la même chose de l'autre côté, hein. Alors, là, je pense que ça va être un peu plus coton. Il va falloir déjà trouver des zones qui vont bien aller. Alors tu vois, là on est en corrigé. Hein. Corrigé, ça veut dire que ça garde un peu la luminosité du point de départ. Et ça copie par contre la structure. Donc là, il faut y aller par petites touches à nouveau. C'est-à-dire là, ça marche pas mal. On va en refaire une. Zut, pas ça que je vais faire, mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite, on va en prendre une autre là à côté, qu'on va aller chercher ailleurs. On va aussi aller la chercher sur le front là. Donc là, on a atténué un peu la chose. On peut encore faire une petite zone plus petite ici, là. On voit. Voilà. Qui est allé chercher. On va toujours le prendre. On va essayer de garder à peu près les mêmes structures. C'est un peu l'équivalent de l'outil pièce sur Photoshop. Et là, il reste encore cette zone ici là où on peut qui nous embête un peu. On va aller la prendre. On va aller la prendre là. Voilà. Terminé. Voilà. Donc là, on a réussi à atténuer la zone d'ombre ici et la zone d'ombre qui était là. Il va falloir en gros faire le même genre d'exercice sur la zone ici. Alors,
Là, ici, on peut déjà faire une petite retouche locale pour s'occuper des ombres. C'est-à-dire qu'on l'avait fait d'une manière générale, mais là, on va le faire un peu plus violent. Donc là, on remonte que les ombres. Donc dès qu'on arrive sur la zone claire, hein, la zone claire n'est pas concernée. Parce que la zone claire, c'est du clair et c'est pas des ombres. D'accord? Donc ça, c'est l'avantage du curseur ombre. Chose que tu n'as pas, par exemple, dans la 3.5 dont tu parlais. La 3.5 dont tu parlais, tu n'as pas ce genre de, tu n'as pas ce genre de choses. De mémoire, il y avait luminosité, puis je sais plus quelle autre. Voilà, donc là, on a déjà réussi à atténuer pas mal. On va faire la même chose ici. On a quand même une zone assez forte là. Voilà. Surtout sur tout ce qui est les petites. On va pas appeler ça des rides pour la demoiselle, elle va me faire la gueule. Mais on va dire pour la zone là qui est un peu plus. Voilà. Donc là, on arrive à atténuer un peu cette partie-là. On va continuer par là un peu, voir ce que ça donne. On va passer là en dessous, car on a le même problème là. Là en dessous. Faut savoir. Alors on va passer par contre un contour progressif plus grand, parce que là. On va commencer à aller sur les zones d'ombre et je veux pas trop que ça se fasse. Voilà. Ok. En plus, on atténue. On lui fait au-dessus là aussi. Ça m'embête, j'ai l'impression que je suis allé trop loin, tu vois là. Alors, le problème c'est que ça va faire une différence de. Non, ça va, on peut le rattraper un peu. Donc là, on a atténué un peu les. La différence ici qui était plus grande, et puis maintenant il va falloir réutiliser cet outil là, et puis il va falloir prendre des zones comme ça. Alors, on va voir où est-ce qu'il est allé me la prendre là-bas, je sais pas pourquoi, mais on va la prendre plutôt sur la joue. Voilà, donc tu vois, grâce à ce genre de choses, on arrive un peu à atténuer. Atténuer les zones. On va prendre sur une partie plus douce que ça. Voilà, on arrive à faire ce genre de choses. Puis il va falloir que tu continues ici. Ça, je vais te laisser reproduire. Ici aussi, ça serait pas mal de l'atténuer un peu. Et donc à la fin, on arrive à un visage, on va dire, un peu plus lissé. On peut refaire avant-après. Hein. Non, pourquoi ça marche pas avant-après? Avant-après, il veut pas. Ah oui, parce que. Attends, bouge pas. Créer une copie virtuelle. Voilà. Celle-là, je vais la réinitialiser. Voilà. Donc si on vient là et on fait ça, ça marche toujours pas. Alors on va prendre l'autre. Voilà. Donc tu vois qu'on a quand même atténué. Mais faut pas rêver, ça va rester assez artificiel. Hein, parce qu'en fait, c'est la lumière au début qui est pas gérée correctement.
Tu peux pas, par rapport à la photo d'origine que tu m'as donnée, c'était une photo où c'était une lumière qui était très diffusée. Faut pas rêver, on peut pas faire des miracles avec une photo qui est très contrastée comme ça. On peut changer un peu, mais là, ça fait un peu trop artificiel pour moi. Et le problème, c'est que dès que tu vas recontraster un peu, parce que pour moi, c'est pas assez contrasté, ça. Donc on va revenir à quelque chose comme ça, on va le contraster un peu plus. Et dès qu'on va le contraster un peu plus, ça va se durcir. Mais d'un autre côté, moi, je préférerais quand même avec un peu plus de contraste, voilà, quelque chose comme ça. Voilà un peu ce que tu peux faire. Alors celle que je t'ai envoyée, c'était quoi? C'était ça. Oui. Donc il n'y avait pas une. Attends, alors je vais le décontraster un peu pour revenir, pour voir si je suis arrivé à peu près au même résultat que je t'avais envoyé. Ouais, pas tout à fait. Là, j'ai plus atténué l'ombre. Là, elle était moins atténuée. Mais dans l'idée, voilà tous les outils que tu as à ta disposition pour travailler sur le visage. Voilà, amuse-toi bien.